Joker Mbila Mwanda. Imeta existe aujourd'hui depuis 11 ans. Nous sommes là depuis 2007. Et le type de formation que nous proposons, c'est des formations qualifiantes, professionnelles qualifiantes. C'est-à-dire des formations qui permettent aux étudiants, juste après leur formation, d'être tout de suite opérationnels dans les entreprises. Au cœur du quartier Mukondo à Mongali, 4e arrondissement de Brazzaville, et sur le long de l'avenue Sonako, se trouve l'Institut des métiers de l'environnement et des technologies appliquées, en cycle IMETA. Un institut privé agréé par l'État congolais depuis 2007, voici 11 ans. Peint aux couleurs environnementales, car le vert symbolise la nature et le blanc la propreté qui renvoie à l'hygiène, IMETA présente au public un cadre d'études apaisé au décor de la végétation, lesquels sont parsemés des fleurs qui suscitent aussi bien l'admiration que la tranquillité et le consentement. Pour son fonctionnement, l'Institut dispose des salles administratives, des salles pédagogiques et des salles de conférences haut de gamme parce que aérées et climatisées, les cours sont dispensés par 57 enseignants qualifiés, toutes matières confondues, entre autres la chaudronnerie, les sciences administratives appliquées, systèmes et réseaux informatiques, environnement et développement durable, météorologie, mines, pétrole et la vente en pharmacie, etc. Dans sa mission de former, informer et accompagner, l'Institut IMETA contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population en rendant les entreprises plus performantes. Ainsi, met-il ses atouts à la merci des étudiants pour atteindre des performances professionnelles qualitatives et impressionnantes. Tout d'abord, je suis très content de toutes les formations que j'ai reçues ici. J'ai fait une formation en QHSE et cette formation m'a appris beaucoup de choses, autant sur la vie professionnelle que sur ma vie de tous les jours. Et je remercie et j'aimerais que d'autres jeunes comme moi puissent venir ici à IMETA. Cela fait exactement 2 ans que je suis ici. J'ai fait une année de formation théorique et 6 mois de pratique. Mes impressions sont bonnes. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai subi une formation, ou bien je suis en train de subir une formation en QHSE, c'est-à-dire qualité, jeu, sécurité, environnement. Il y a déjà quelques mois de cela, j'ai commencé depuis le mois de novembre et ma formation devait prendre fin le 31 juillet dernier. Et là, je suis en phase de recherche pour ma soutenance au mois d'octobre. En tout cas, je suis plutôt content et même très, très, très heureux de faire partie de subir ma formation ici. Parce que vous voyez, déjà, c'est quelque chose de fort dans notre pays, un tel institut qui aide les jeunes à non seulement à se former, mais aussi à découvrir leur moi profond, comme on le dit en philosophie. Et pour moi, c'est vraiment un acquis, c'est un avantage de passer par ici. À IMETA, les critères d'inscription reposent sur le baccalauréat et plus. Et les études sont sanctionnées par un diplôme de technicien spécialisé en sigle DTS, avec bourse et stage à la fin. Au micro de Vérité 242, Joker Mwanda, son promoteur, fait le point. Nous existons depuis 11 ans et aujourd'hui, le gage que nous pouvons donner, c'est notre qualité, la qualité au niveau de nos programmes, mais également des enseignants qui interviennent dans notre institut. Il s'agit principalement des professionnels qui interviennent. Et pourquoi des professionnels? Parce que notre objectif, c'est de faire un transfert de compétences entre les formateurs et les apprenants. C'est vrai qu'il y a la partie théorique, mais c'est beaucoup plus la partie pratique qui prime dans nos formations. Et justement, cette pratique, c'est par rapport à l'expérience des formateurs qui parlent des domaines qu'ils sont compétents. Et donc, c'est le transfert de compétences. C'est clair qu'il y a beaucoup de formations. Aujourd'hui,
Nous sommes pratiquement les pionniers dans le domaine, dans plusieurs domaines d'ailleurs, dans le domaine de QHSE, par exemple qualité, hygiène, sécurité, environnement. Nous sommes les premiers à proposer des formations dans le cadre du QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. C'est nous qui avons amené ce concept. Nous avons démarré avec ce concept et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'anciens étudiants de l'IMETA qui sont des responsables qualité dans les entreprises. Et notre qualité n'a pas baissé. Au contraire, nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Donc, on continue à améliorer nos enseignements. Et oui, nous garantissons que la qualité de nos formations, ce sont des formations d'un certain niveau. Et pourquoi pas dire de haut niveau. Vous savez, aujourd'hui, comme pour beaucoup de choses, les choses évoluent. Et on ne peut pas continuer à faire, à procéder de la même façon qu'on procédait il y a 10 ans. C'est ce que nous essayons d'apprendre à nos étudiants. On va dire, c'est dépasser le temps de juste écrire le CV ou faire une demande, aller déposer dans une entreprise et attendre. Nous avons mis en place des mécanismes, des collaborations avec des entreprises où d'ailleurs nous avons déjà fait nos preuves des entreprises qui nous font confiance. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec une entreprise avec laquelle on vient de signer une convention pour pouvoir prendre certains de nos étudiants. Donc, nous faisons un travail en amont, un travail afin de pouvoir mettre en place des partenariats et nous pouvons garantir en ce moment que les 500 apprenants qui vont sortir de là vont pouvoir suivre des stages en entreprise. Il y en a qui sont déjà passés par notre institut et qui ont fait des tests, qui ont passé plutôt des stages. Donc c'est possible. Aujourd'hui, il y a un problème réel dans le cadre de l'éducation au Congo. Et il faut dire que le frein, il se trouve à plusieurs niveaux. Il faut avoir un regard à 360 degrés. Moi, je veux principalement parler aujourd'hui des étudiants. D'accord ? Il y a plein de problèmes, mais je dirais principalement des apprenants. On constate aujourd'hui de moins en moins les étudiants veulent réellement apprendre. Il y en a qui pensent que s'inscrire juste dans une école, marquer sa présence et juste à la fin obtenir un diplôme, c'est le gage d'une bonne formation. Ce n'est pas tout. Il faut déjà de la volonté, de l'implication, parce qu'une formation professionnelle, c'est 70% de participation personnelle. Si on m'apprend, je vais retenir un tout petit peu, mais si je me mets à pratiquer ce que j'apprends, ça sera encore mieux et je garderai pendant longtemps ce que je vais apprendre. Donc nous, on invite les étudiants à être actifs et non pas passifs, à pouvoir participer, contribuer à leur propre formation. Et c'est ça ce qui garantirait la qualité de la formation. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les étudiants visent beaucoup plus le diplôme à la fin. Qu'ils participent ou pas, ce qui compte pour eux, pour beaucoup, c'est le diplôme, ce que nous décrions chez nous. Nous, ce qui compte, c'est la qualité de la formation et surtout ce que l'étudiant va sortir avec. Une fois que la personne sort et est formée correctement, oui, en ce moment-là, on peut délivrer ce bout de papier qui s'appelle diplôme, juste pour justifier que l'apprenant a suivi un cursus donné de formation. Déjà, il faut dire, nous, qu'est-ce que nous visons? Pourquoi nous faisons nos formations? C'est pour que les apprenants qui sortent de chez nous, ils rentrent directement en entreprise au lieu de passer encore plusieurs années de chômage. Donc, ce que nous visons, c'est la compétence. C'est justement ce transfert de compétences, transfert de connaissances des sachants vers les apprenants, afin que ces étudiants puissent être en mesure de répondre aux besoins des entreprises. Oui, une fois que les apprenants répondent aux besoins des entreprises, c'est-à-dire que quand un DRH d'une entreprise a designé un profil souhaité et que notre apprenant passe un entretien d'embauche ou passe un test et qu'il réponde à ces besoins-là des entreprises, oui, c'est les objectifs que nous poursuivons. Ce que je peux dire aujourd'hui sur le chômage des jeunes, c'est que chacun de nous est responsable de sa vie. Responsable, honnêtement. C'est ce que je dis d'ailleurs
à tout le monde, à tous les jeunes que je rencontre lorsque j'anime des séminaires. Chacun est responsable de sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu un diplôme dans un domaine quelconque qu'on continuera à attendre l'emploi dans ce domaine. Il faut se lancer également à l'entrepreneuriat. Si j'ai appris l'architecture, au lieu de continuer à attendre d'être recruté dans une société de construction, je peux ouvrir un cabinet où je peux proposer mes services à d'autres, à des personnes qui sont en train aujourd'hui de construire. Donc, ce que je dirais, c'est une opportunité également. C'est vrai que les gens sont au chômage, mais ils peuvent prendre, c'est une opportunité de prendre des initiatives, de pouvoir lancer des activités qui pourraient les permettre de s'en sortir dans la société. Étant donné que nous faisons des formations continues, donc nous avons deux diplômes principalement. Nous avons le DTS, c'est-à-dire un diplôme de technicien spécialisé. Mais également, nous faisons des formations en collaboration avec une école étrangère, c'est-à-dire l'école supérieure de Rabat. Et avec l'école supérieure de Rabat, nous faisons des formations d'un haut niveau encore. Et c'est des masters. Et pour ces masters, nous délivrons donc aux étudiants des masters européens. Donc, c'est des masters qui ne sont pas délivrés ici au Congo, mais ce sont des masters européens qui sont reconnus sur le plan international. Alors, l'uniformisation des programmes, il faut déjà que les centres de formation proposent les mêmes types de formation. Et je pense qu'il y a un travail qui se fait aujourd'hui au niveau du ministère dans ce sens. Donc ça, c'est beaucoup plus une question que le ministère est censé répondre. Mais je peux vous rassurer que nous, on est suivis par le ministère qui a validé nos programmes de tout ce que nous faisons. Et donc, il y a également un travail qui se fait au niveau du ministère. Donc, nous ne pouvons pas, pour l'instant, parler d'uniformisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous répondons à des besoins qui sont spécifiques, les besoins des entreprises. C'est aussi ça un peu la spécificité des formations que nous faisons. L'idée, c'est de ne pas rester bloqué sur les formations, mais rien qu'à voir comment le monde professionnel évolue. Nous essayons d'adapter nos formations, nos programmes par rapport aux attentes des entreprises. Si on reste bloqué sur des programmes de formation qui peuvent paraître à un certain moment caduques, en ce moment-là, les apprenants qui sortiraient de notre école risqueraient de taper à côté pendant que d'autres vont pouvoir passer. Et donc, notre avantage, justement, c'est de comprendre ce concept, c'est de comprendre ces besoins des entreprises. Et dès lors qu'on répond à ces besoins des entreprises, nos étudiants sont préparés et finalement, nos étudiants accèdent plus facilement dans les entreprises que d'autres, je dirais. Justement, on ne peut pas non plus prendre tout le monde. Il faut bien définir un objectif et un nombre. Donc nous avons pensé qu'avec les partenaires que nous avons, qui nous accompagnent dans ce sens, ça, 500 bourses, ça serait raisonnable. Alors, comment bénéficier ces bourses? C'est simple. Il s'agit simplement de fournir un dossier, notamment avoir son dernier diplôme qui est légalisé et avec d'autres documents, casier judiciaire, certificat de nationalité, mais également un certificat médical et autre chose encore. Une fois que le dossier est fourni, complet, il sera examiné, à partir de ce moment-là, les candidats vont passer un test. Et tous ceux qui vont satisfaire à ce test vont pouvoir bénéficier d'une formation, on va dire, de la bourse. Donc, ça veut dire quoi en fait la bourse? Quelqu'un qui aujourd'hui veut faire une formation qui coûte, je prends un exemple, une formation qui coûte 500 000 francs. Donc, au lieu de payer 500 000 francs, il y a juste des frais d'inscription, des frais de participation à la formation qui s'élèvent à 50 000 francs. Le fait de payer ses frais de participation à la formation de 50 plus le dossier, si la personne satisfait à son test, la personne ne payera rien d'autre, rien de plus. Rien de plus, la personne suivra sa formation jusqu'à la fin. Oui, le mot de fin, c'est d'encourager les formateurs dans l'ensemble parce que nous sommes dans un domaine qui est sensible. Lorsque les gens viennent vers nous, que nous prenons à cœur
cette formation, que nous continuons à former des gens comme il faut, mais également à l'endroit des étudiants ou des apprenants, qu'ils viennent lorsqu'ils vont, qu'ils viennent ici à l'IMETA, qu'ils ne se disent pas simplement que je vais sortir de là avec un diplôme, mais surtout avec des connaissances. Alors, si je dois sortir de là avec des connaissances, donc je dois suivre ma formation de bout en bout. De bout en bout, et c'est ce qui me permettrait d'acquérir des compétences nécessaires dans les entreprises. À l'endroit de ceux qui ne sont pas encore inscrits aujourd'hui, qui désirent s'inscrire, je leur dirais simplement de ne pas hésiter et que IMETA, c'est l'endroit idéal pour pouvoir donner ou sinon pour pouvoir se donner à eux-mêmes la chance nécessaire de s'insérer dans la société. Mot de la fin également, un grand remerciement à Vérité 242.